Et bonsoir. Alors, on va continuer Alex. Je vous mets ça, c'est bon, tout est là. Hop là, et je retire ça. Il est connu. Du coup, il nous faut de l'XP. Hey, sympa, j'avais pas encore vu ce fond d'écran. Il nous faut de l'XP, il nous faut du pex, de la thune. Oui, aussi, tiens, ça me fait penser. Et la recette qui te fout sous le nez à chaque fois. Partons à l'aventure. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Il me faut de l'XP. Je vais le trouver quelque part cet XP. C'est ici. L'élection. Ouais, c'est l'élection du streamer le moins connu. Ce postule. Olé, motherfucker! C'est quoi cette araignée? Salut, ça va? Moi, c'est Arto. Je fais la sieste. Le truc au sol, j'ai fait. Oh, c'est quoi ça? Oh, bah tiens, une araignée. Et merde! Je crois qu'on a battu des scores là, Lucos, en temps de jeu, hein, avant que je crève. Ça va toi? T'as fait l'élection de ton truc? Oh, il y a pire que toi. Tu as un viewer. C'est pas faux. C'est pas faux. La dernière fois, je crois que j'avais zéro. Bon, après, je m'en fous, moi, le but, c'est que je m'amuse. Tant que je m'amuse, ça va. Non, t'as l'air trop puissant pour moi. Non mais. J'en suis à regarder la gueule du monstre en disant. Non, trop fort. Oui, si on peut dire, vu les branques. Tu as eu une élection. Elle a été foireuse, certes, parce que mal gérée, mais il y a eu une élection. Attends, j'ai cru entendre le bruit d'un monstre. Hey, il y a des gens là! Hey, vous voulez être mes copains? Je suis tellement en dèche. Après, tu vas me dire, j'ai mes compagnons en vrai, je pourrais. J'ai Duras là que je pourrais aller emmerder en mode. Hey Duras, viens m'aider! Mais non, je suis têtu! Je veux le faire en solo le jeu! Sauf quand les compagnons sont imposés. Je suis tombé. Oh, ils me disent grimper. Non mais en vrai, je suis réellement tombé, quoi. Hé, il y a de la verdure. Mais écoute, j'ai une réponse à mon mail. Sauf si tu peux renvoyer le trop-perçu par virement. Alors. J'ai envie de dire, ça sent la méga arnaque. Hein. Le mec qui dit, hey, tu peux me renvoyer le trop perçu? Fais gaffe au virement. Mais les mecs, c'est des branques, quoi. Non, c'est mon employeur. Ah, d'accord. Ouais, enfin bon. Ah bah là t'as des champions, à croire qu'ils travaillent au gouvernement. Yes! Il va falloir m'expliquer un truc, mes loulous, comment je fais pour sortir d'ici? Oh non, mais vas-y, je me suis encore rebuggé.
Allez, on recharge! Yes! Juste des crétins. Et... Non mais sérieusement quoi les mecs. Vous m'avez fait une sauvegarde juste au moment où je tombe dans le trou quoi. Ah putain. Hey. Hey, devine quoi, on est reparti. On va la connaître par cœur cette phase hein. Non, j'ai pas regardé ce que c'était, c'est quoi? J'ai vu qu'il y avait un jeu gratuit sur GOG. Qui était à 2. J'ai récupéré, c'est gratos. C'est pas Warhammer, le prochain de Epic? Total War Warhammer? Si c'est ça. Bah, alors écoute. On va faire simple, hein. Pour toi qui n'as pas le jeu, c'est bien. Pour moi qui ai le jeu, m'en balèque. Clairement, hein. C'est quoi ce bruit de robot qui me fait? Allez, 25 d'XP, hein. Il faisait un bruit de robot. T'as le 1 et le 2? Bah écoute, du coup, tu comprends ce que je vais te dire, hein. C'est de la merde. Clairement, hein, c'est... Ce genre d'offre est intéressant si tu n'as pas les jeux. Si tu as déjà les jeux. C'est inintéressant. C'était quoi ce bruit? Putain, il faut que j'aie une notif Discord encore. J'entends des bruits de roches qui tombent. Les mecs. Vous me la ferez pas, moi. Je l'entends. Ah, ils sont nombreux à partir au taf pour une fois. Le mec, il a une arme qui a l'air plus puissante que la mienne, là, avec son marteau. Ah, il n'y a que moi qui ai eu la débilité de me dire: Ah, tiens, regarde, il y a un trou là. Allez, on y va, on va voir ce qu'il y a. Nyeh. Alors, déjà, première chose, ce monstre là-haut est beaucoup trop fort pour moi. Pareil, leur touche, il faudrait que je la rebagne pour s'accroupir, elle est pas. C'est pas la plus. C'est un marteau! Ah non, moi c'est un run. Moi c'est un runner, que c'est. Il est pas marteau, il est pas fou le mec. Il sait qu'il est trop faible et que celui qui le contrôle, il est trop mauvais. Marteau. Ouais, t'inquiète, j'avais compris la blague. Elle est bien. Et t'as compris aussi que j'étais un... Lâche! Ta-ta-ta-ta. Un renard avec une épée, c'est un réplicant, non? Un renard avec une épée, c'est un réplicant. Attends. On va essayer de me ressouvenir à quoi ressemblent les réplicants. Dans Black Runner, les mecs, ils ont pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. J'étais en train de chercher la blague, mais aussi de me souvenir. Mais non, ils avaient des guns, eux. De la viande séchée, non mais je m'en fous de sa viande séchée, il la garde son morceau de barbac. Le truc, il est capable de me dépiauter en une attaque.
De l'XP est facile par là-haut, je l'ai vu. Meurs, XP! Ah, c'est le bruit de l'arme qui fait aussi bizarre. Ah, oh. Oh, le bruit d'arme est dégueulasse. J'avais pas trop fait attention jusqu'à maintenant. Un troll. Il est chauve, il sourit. Il voulait pas me donner des jeunes bestioles, les bestioles vertes, plutôt qu'un fucking troll? C'est trop demandé? En plus, j'ai... Ok! Ouais, bref, comprise par 2% d'Internet. Le petit troll trop chauve qui sourit. Alors, il y a peut-être plus que 2% d'Internet qui a la ref. En train de me dire. Mais vous avez vu les bestioles que je me tape avec le petit steak là qui va bien, mais je suis le maître du monde, je suis en haut de mon caillou. Le monde est tellement dangereux. Restons sur ce caillou pour l'éternité. Il y a de l'herbe, je pourrais brouter l'herbe. Cherche un jeu à faire. Campagne Total War Warhammer 2 avec la Sylvanie. Je te laisse jouer Manfred. Oh, bah après, tu veux quoi comme style de jeu? Hein? Es-tu exigeant? Très, tu me connais. Alexandra Lederman 4. Le mec, à chaque fois que j'ai pas d'idée de jeu, ou je veux dire une connerie, je dis Viola quand même. Il faudrait qu'un de ces quatre, il faudrait que je vois le prix s'il existe réellement, et que je me le prenne et qu'on se le fasse, juste pour le fun. Fun de dire, bah, Alexandra Lederman 4, allez, c'est parti. Il avait l'air d'y avoir un truc vachement plus intéressant que ce tas de cailloux, hein, par ici, quand j'ai regardé devant. Alors, c'est quoi à dire, mais je me demande, est-ce qu'ils ont pas foutu un truc tout en haut, tu sais, des cailloux, des tas de cailloux et tout ça. En mode, explore les hauteurs et à la plus haute, tu trouveras un objet précieux. Ah, mais si c'est sur Origin, je vais pas vouloir. Je me souviens plus de mes mots de passe Origin. Mais sérieux, Alexandra Lederman. Et alors, ça parle de quoi ce jeu? Parce que mine de rien, je ne sais pas. Mon Dieu! Ah non, c'est bon. C'est juste que j'étais mauvais. J'étais en train de me dire, mon Dieu, j'ai trouvé un plafond de hauteur. Bonne nouvelle, Alexandra Lederman vous a engagé pour faire partie de son équipe. Vous allez devoir vous intégrer à la vie du Haras et participer à sa gestion quotidienne, notamment en vous occupant des chevaux.
Surtout si vous participez à 5 grands concours, chacun récompensé de 3 parcours, et tenterez d'améliorer les résultats décevants de l'équipe. Car un mystère semble planer au-dessus du Haras. À vous de mener l'enquête. Putain, on pourrait presque croire un truc épique, avec la façon dont je l'ai fait. On aurait presque pu croire un truc épique. Ouh! Il y a du matos! Je t'avais bien vendu là en te faisant la lecture, Lucos. T'as envie d'y jouer maintenant, hein? C'est ça que je devrais faire dans la vie. C'est de vous vendre des jeux vidéo. En lisant ce qu'il y a derrière la jaquette. Non, parce que si je dois inventer moi-même ce qu'il faut, non, il faut que je lise ce qu'il y a derrière la jaquette avec une voix épique. Épique, Mother. Toi, j'ai peut-être une chance de te tuer. Je veux essayer. T'es un adulte ou t'es un enfant, toi? C'est pas épique, c'est épique. Avec la chute mortelle, yes! Oh, j'étais bon, petit combo, yes! Ah, le combo, j'essaye de m'envoler, il me shoot en chemin et tout. Ah, j'étais bon là, ah, j'étais bon. Oh! Oh oui. On en redemande. J'arrive pas du tout à me faire au système de combat, j'ai l'impression. Ouais, bah tu peux toujours essayer de me mollarder, t'as vu où je suis? Ah, une tour. Ah ouais, c'est intéressant de savoir qu'il y a une tour là. Nous allons au plus haut point. Et ensuite, nous utilisons le jetpack pour aller encore plus haut. Il y a toujours plus haut. Toujours plus haut! Ah, c'est marrant, on dirait une grotte là-haut. Là, on dirait qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Voilà. C'était au plus haut. Ça sert foutrement à rien parce que maintenant il faut redescendre, mais j'y suis allé. Je peux dire, je suis venu, j'ai vu. Et j'ai rien foutu! Alors j'hésite, d'abord la tour, d'abord la tour. Le mec, il est tellement pressé qu'il saute carrément. Hein. Il identifie pas s'il y a un danger ou quoi. C'est, il y va, yatta. Yatta, yatta. Allons voir ce qu'il y a en haut. Du loot. Potentiellement ma vie. Un coffre. Un coffre, hein. Ok. Ouais. J'ai juste deux fois eu un no. Ah, le casque d'ouvrier, il va me servir. Il va me faire de la thune, lui. Et maintenant, allons. Allons-y. Allons-y, Alonso. Ce n'est pas ce troll qui va nous arrêter. Il est plus déterminé que jamais. On a peur de rien.
Et surtout pas des chiens. Ça tombe bien, c'est un troll. Et donc ça, on a le droit d'en avoir peur. Ah tu pensais avoir quelque chose à faire en m'affrontant? Eh ben non! Tu as oublié que je suis un pro de la fuite! Petit troll! Trollolo! Et je découvrirai le secret de cette montagne en passant par le toit. Ouais, parce qu'on n'est pas fou, on va pas affronter. Ouh! Ouh! It touched my tralala! De la thune. De la thune, en veux-tu? En voilà. Bon, par contre, cette grotte a été découverte, ça c'est clair et net, hein. Je ne peux pas miner, je ne peux pas miner ça. Oh non, je ne peux pas. Bon, par contre, c'était vachement intéressant comme loot, donc on va sauvegarder. Oh mon Dieu, là-haut. Des ruines. Allons-y. Alors, j'ai besoin d'XP, mais j'esquive tous les combats. Vous allez me dire, mais c'est pas comme ça que tu vas te faire de l'XP! Ouais, je sais. Je sais, mais il me faut mieux de l'XP en fuyant que de l'XP en mourant. Je ne sais pas où je vais. J'y vais! J'y vais! Berserker mort. Ça sent pas bon, un berserker est mort. On va sauvegarder. Pourquoi tous les berserkers sont morts? Ils savent se battre en théorie, eux. Eux, ils savent se battre en théorie. Ouf. Ça va profond. Y a-t-il un TP dans le coin, par contre? Ça m'arrangerait. Je n'ai pas peur! Ça m'éclate parce que le truc qui a tué les berserks, il est plus puissant que moi, c'est sûr. Mais j'y vais. J'y vais comme un gros con. Ta gueule, le corbeau. Hors la loi. Meurs, le rat! Ça fait trop de bruit. Ça m'emmerde. Ah, ils sont pas là, je pille, hein. Je suis désolé. On va me dire, oui, mais ils sont morts. M'en fous, c'est pas une excuse. Ils veulent pas se faire piller par un couillon comme moi, ben. Ils meurent pas. Y a un coffre à voler. On a tendance à dire que c'est le coin où on fait la discussion. Ou le repas.
Ah mais attends. Il y a un truc qui a tout défoncé. C'est clair et net, hein. Et je trouve pas la trace de ce que c'est, il m'agresse pas. Fuck! J'ai cliqué trop vite. Ouais, donc ils ont bien été attaqués. On sait pas vraiment par quoi. J'ai envie de dire. Ouais, ils protègent les chemins classiques. Hein, mais si la bestiole elle est passée par l'eau, il n'y avait rien pour les protéger, hein. Ça aurait été attaqué par les hors de la loi. Ce que je vois, c'est pas totalement illogique, hein. Si suspect, pour le combat que c'était, c'est rentable. Encore un bruit que j'aime pas, hein. Vous entendez ces gros boum boum? Ouais, grogne dans ton coin, je me casse. Je lui fais pas de dommages. Autant se casser.
Ah, parce qu'en vrai, quand tu fais pas de dommages, autant se casser. On monte parce qu'on aime ça et parce qu'il n'y a que ça à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle de la fuite express. Heureux, fini de manger. Eh ben, j'espère que c'était bon. Et bon appétit en retard du coup. Ah, j'ai fini de fuir. J'ai trouvé une grotte où il y avait plein de cadavres. Je les ai tous pillés d'ailleurs. Il y a deux coffres qu'il faut que j'aille encore ouvrir. Et voilà, c'était pas mal. Et j'ai tué un rat. Un rat géant. Et ouais, les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Tu vois un rat géant comme ça? Ça rapporte 10 points d'XP. Ah! Et 10 points d'XP! Regarde-moi ce combattant de qualité! On va le dire vite, hein, mais bon, chut. Ouais, c'était ça que vous voulez atteindre. Ah, faut te faire courir, mon loup. Est-ce que vous pensez... Alors, on va manger un peu. Semblait être nombreux dans le coin, donc... Je lui ai fait que dalle en dommage. Hein, je vais à peine chatouiller les fesses. Du coup, ben, la séance de marathon, elle me semble pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? On est d'accord que ça semblait vachement bizarre le truc rouge avec le point de lumière en dessous. À moins que ça soit moi qui vois le mal partout. Bonjour, c'est moi qui viens piller.
Est-ce qu'il semblerait une ville là-haut? Non mais je... Oui. Faites cric 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 de votre côté, vous inquiétez pas, moi je passe du mien. Ah! C'est une indication assez intéressante, ça! Semblerait que le coin des morts hors la loi soit à portée! Vite, allons-y! Allons-y, Alonso! Je retire ce que j'ai dit. C'était bien un coin dehors la loi, mais ils veulent juste me buter, eux. Ah, j'ai exploré là, hein. En vrai, je suis jamais parti aussi loin que de la zone des berserks que là, hein. Ouais, bah, je l'ai repéré la bestiole. Hein. À l'autre. J'aimerais bien un TP dans le coin, s'il vous plaît, en fait, en vrai. Vous ne demandez même pas du vrai bon matos, hein, juste un TP. Oula! Je l'ai bien vu, la mine! Ça sert à quoi que je monte tout là-haut? Il y avait quelque chose. Y avait quelque chose. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Regardez, ça se voit là. Enfin bon, dans tous les cas, faut que je me soigne déjà. Il n'y a aucun téléporteur dans ce coin, ça m'énerve. Si vous saviez comment ça m'énerve de ne pas trouver de téléporteur. Ah, ça doit être par là, la capitale des hors-la-loi, du coup. Et du coup, ça c'est quoi? Attends, c'est quoi? Bah. Ça serait là les clairs, du coup? Ça a l'air d'être deux dômes technologiques et là les hors-la-loi? Parce que clairement, là, c'est le camp des Halbes. Ah, bah non, les clairs, ils sont là. Je suis con. Ils doivent être ici, je pense. Ouais, grince un peu si t'as envie. Du coup, on a été ici. Et de là, j'ai trouvé le chemin qui descend ici.
J'ai pas d'XP. J'ai rien de ce qu'il faut pour faire l'anneau de dextérité. Yes! Ok. Donc c'est la nuit. Faut le savoir, hein. Qu'est-ce que j'ai comme indication que c'est la nuit? Rien. Alors, regardons mes quêtes. Par exemple, celle-là m'amène où? Ouais, donc là, c'est la base un peu des elfes. Enfin, des elfes. C'est vachement loin. C'est vachement loin et vachement dangereux d'aller jusqu'à là-haut, donc j'y irai pas. Ouais. Richard. Gentillesse. Ah là, je peux me servir. Bien. On va pas rester pour demander. Hein.
C'est quoi les lianes là-haut? Et c'est marrant, j'ai fait 3 pas, il pleut. Tu m'étonnes. Une pensée à une connerie. Ta 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 ta. Je suis sur le cœur, sur le cœur. Ça sert foutrement à rien. Ah non, je pourrais pas passer par là. Là, il y a sûrement quelque chose. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde d'être si faible, en vrai. Il me reste plus grand-chose, hein. Il me reste quoi? Un quart de barre pour pouvoir level up? Mais. Pff. De la dextérité pour ça. Et je suis en train de me dire, il me faudrait des compétences de ra... il me faudrait ça. Ouais, mais c'est ultra dur à débloquer, enfin, pour moi. En vrai, il faudrait que j'augmente ma force pour le matos que j'ai. Je suis en train de regarder. Ma force et ma dextérité, donc. Ça m'arrange, mais bon. Et je vais pas regarder les attributs des berserks. Ouais, donc ça, si tu veux être un bon gros bourrin magique, il faut ça. Voilà, ça.
Ah, loup spirituel, ça peut être marrant. Oui, ça c'est pratique aussi pour éviter de se faire choper, mais bon. Je peux pas le convaincre, j'ai pas de compétences de charisme. Pour avoir de l'XP, il faut des combats. Les combats sont trop durs. Même pas un peu d'XP. Radin va. Radas. Cinq d'XP en plus. En vrai, comme je ne sais pas vraiment combien il faut pour passer d'un level à l'autre, 5 d'XP, je trouve ça peu. Mais en même temps, ça se trouve, c'est beaucoup. Non, j'aime pas les monstres cornus. Donc ça, c'est la toute première zone. Ouais, c'est rentable, hein, je lui ai fait des dommages, regardez. Sa vie a baissé d'un millimètre. Non mais sérieux quoi. Sérieusement, je lui ai fait 2 mm de vie. 2 mm de vie, après il m'a fait meurs. J'ai fait d'accord. Ouais, bah le jour où j'aurai la capacité de voler autant avec mon jetpack, quand même, ça se saura. Merde, j'ai carrément utilisé une popo. Je suis un fou, moi. Ah, je suis un fou, moi j'ai utilisé une popo au lieu de bouffer de la viande. Il n'y avait rien d'autre hein, par là. En vrai, l'exploration et la recherche de créatures à ma portée, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Sinon, il faut que je trouve d'autres donneurs de quêtes. Pour ça, il faut que je trouve d'autres gens. Donc, je suis obligé d'explorer pour trouver d'autres gens. Point. Où il y a un attroupement là.
Non, mais non. Non, mais oui, mais non. Maman, il faut quand même que j'avance, que j'aille quelque part pour me faire de l'XP, s'il vous plaît. Ah bah peut-être là. Il y a un moment, ça serait bien qu'ils me permettent de faire quelque chose en fait, le jeu. Je crois, limite, c'est ce que je te... Ce qui me dérange le plus dans le jeu, c'est que j'ai vraiment l'impression de pouvoir mais rien faire. Ouais, mais... Oui. Mais à ma façon. I want to fight! Les mecs préfèrent encore me shooter moi que le troll, quoi. Alors que le troll, lui, c'est clairement contre leur gueule qu'il en a. J'ai pas regardé ma vie et je me suis pris un caillou. Oups. Putain, c'est dommage. J'avais bien fait faire le boulot par le troll. Et j'avais réussi à commencer à piller. Ah, oh, c'est dommage. En tout cas, j'ai vu 5 points d'XP qui se promenaient par là. Ouais, je les ai vus retrouver. On va aller les chercher. Je vais pas cracher sur un peu d'XP facile comme cela. Hein. J'en ai vu d'autres. Il y en avait un par là. Je suis sûr d'en avoir vu un par là en plus. Ma folie m'aurait-elle joué des tours? Again? Je verrai pas le cadavre. J'en ai vu un vers le haut là. Ah, je suis désolé, hein, on nous met des ennemis ultra faibles comme ceux-là. Et à côté, la zone est jonchée d'ennemis ultra puissants. Louis Bot, ça fait donc 1 heure déjà que je suis en live.
regardez là-haut, je peux même pas affronter ces deux cadavres. Ces deux cadavres, ces deux osios. Parce que si je les affronte, je me fais ma rave. Si je me fais ma rave, je meurs. Si je meurs, bah j'ai mal. Si j'ai mal, bah c'est pas top. Si c'est pas top, bah j'avance pas. Si j'avance pas, bah on passe pas à un autre jeu. C'est QFD. Alors en vrai, j'ai l'impression que ne pas avancer pour deux raisons, hein, d'être trop faible et d'avoir du très mauvais matos. Alors, ça se trouve, c'est totalement faux, ça se trouve, c'est juste moi qui suis très mauvais. Mais cette sensation d'avoir un matos foireux. J'arrive pas à m'en dépêtre. C'est vraiment la sensation que j'ai en permanence. Tu vois, je me suis fait 10. Ouais, j'ai à peine l'impression de savoir quand est-ce que je vais level up, quoi. Les berserks font tellement primitif. C'est peut-être pour ça qu'ils m'attirent, d'ailleurs. Ah, mais je vois où on est, là. Peut-être que là-haut il y a quelque chose. Faudrait que j'aille voir. On sauvegarde et on y va. Sauvegarde parce que de temps en temps il y a une petite patrouille albe à ce niveau-là. Magnifique! La chute m'a tué de 1 et de 2. La radioactivité m'aurait tué. I'm stupid. Faut que j'arrive à avancer. Faut que j'arrive à faire quelque chose. Ouais, entrebouffez-vous. Moi, je vais me promener. Manger un morceau de viande et on va faire une tentative totalement stupide. Non, ils veulent pas se barrer.
Ah, ils sont copains comme cochons, ces deux-là, hein. Non mais vas-y, je pouvais pas m'envoler! Oh, j'essayais juste de me barrer, j'avais bien vu qu'il était dans la merde avec les deux autour de moi. Dame! Putain, je suis même pas capable d'affronter un cochon et un rat ensemble. Mon personnage est trop faible pour affronter un cochon et un rat, quoi. Il a un matos à chier. Hey, petit morceau de barbac. Et on vous feinte, je passe pas par le même endroit. Haha. Voilà, et demain. Putain, ça lançait la cinématique. Je savais que je me battais près de la zone de cinématique, c'est pour ça que je me méfiais et que j'y allais prudemment. Mais non, là, ça a failli lancer la cinématique. Du coup, je vais me prendre les deux albes et potentiellement le sanglier avec. Je vais clamser. Classique. Je peux pas avoir leur gun? Ils ont cru que j'étais un clou! Ils m'ont maravé comme si j'étais qu'un fucking clou! Sérieusement, quoi. Voyez la tête du mec dépité qui sait plus quoi faire là, il est en mode. Ah. Ouais. Ah, tiens, 2 points d'XP. Voilà, ça c'est 2 points d'XP, je les prends, je les apprécie, ils sont faciles à se faire. Désolé de t'avoir dérangé, messieurs, hein. Écoute, je passe mon chemin. J'ai besoin d'XP. On va aller se foutre là-haut. J'ai besoin d'XP. J'ai pour augmenter mes. Pour augmenter mes caracs. Mais je peux pas. Pex. Comment je peux faire? Comment je pourrais faire pour me faire de l'XP, quoi? Parce que ces petits-là, ils sont sympathiques, mais c'est pas suffisant. Ils sont trop gentils. Enfin, trop gentils. Ils sont pas assez. Ils rapportent pas assez. Et j'ai regardé sur internet, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf le gain d'XP. Going in there.
Oui, bien sûr. Pas faux. Ouais, non mais je vais le faire, je vais le faire. Alors, près de la fosse, ils ont dit. Donc, j'ai pas besoin de rentrer dans la fosse. Je suis quand même curieux de savoir où ça sera, hein, parce que si c'est là où il y a le robot, ça va être assez rigolo aussi. Et c'est... Là où il y a le robot. Ok. On est sportif, on essaye. En vrai, si c'est là où il y a le robot, je peux peut-être m'en sortir. Hein, comment ça se fait que j'ai loupé là? Allez, 10 points d'XP en plus, c'est toujours ça. Alors, attendez, on sauvegarde. Donc il l'a lâché à côté de la machine, hein? Deux secondes, le temps de boire une potion, j'allais me casser là. Je le vois arriver sur le côté, j'ai fait. Ah. Ah. Regardez, mais cette arme, elle a l'air super. Elle a l'air balèze. Regardez ma vieille épée, elle déformée. C'est quoi qui m'a tiré dessus? Je vais réussir une quête, les mecs. En mode lâche, mais quand même. L'important, c'est de réussir. V'là ton gourdin! Oui? Ça serait bien? T'inquiète pas! Yes! Vite, on se casse en ville! Mon dieu, j'ai level up! Yes! Alors, en vrai, c'est vrai.
Faut que je regarde qu'est-ce qui sera intéressant à récupérer. Il y a des trucs sympas pour le. Faudrait que j'augmente ma dextérité dans tous les cas en vrai. J'avais vu tout à l'heure un truc qui m'intéressait. Un truc tout con, hein. Pour justifier où j'allais mettre mes points. Ah, mais c'est ça les trucs tout cons que j'ai vus. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est attribut. 50 d'intelligence. J'ai combien de points? J'en ai 10. En vrai, j'ai bien envie de monter à 25 mon ma dextérité. Si je passe déjà ma force à 30, déjà là, je suis bon pour ça. Si je la passe à 35, je vais commencer à faire des dégâts puisque plus 10% et la valeur de dégâts de mon arme, elle est basée sur la force, quoi. Et permet de déverrouiller des objets et des capacités, oui. Ah bah putain, j'ai 30 d'endurance, j'ai pas l'impression hein, que j'ai débloqué de là. Donc dextérité, force, ça augmente, ça me permet d'avoir du meilleur matos. Hein, donc il va falloir que je le fasse à un moment ou à un autre. En boostant que ma force, est-ce que ça va me débloquer des choses ici? Non. Non. Oui, ça va me débloquer ça. Ça, je l'ai déjà, donc m'en fous, ça, je m'en fous. En vrai, de vrai, hein, si j'ai rien avec... Pas grave. Ça me permettra d'être plus proche de l'armure niveau 3, 2. En vrai, je sais que là, j'ai vu qu'il me fallait des... Des compétences là. Mais j'ai rien qui est rapide d'accès. Ça voudrait dire monter ma ruse. Et même si je monte ma ruse, j'ai pas assez. Du coup, le plus intéressant, c'est de monter bah déjà ma force. Ah! Ah ouais, en fait, passer 30, c'est 2 points pour augmenter. Ah ouais! Ah ouais, merde! Game! Si je passe mon intelligence à. Échappe. Si je passe mon intelligence à 30. Est-ce que ça a un truc intéressant à faire? Ça m'apporte rien là. Bah, à 30 déjà, là, je suis à moitié de ce qu'il me faut pour ça. Mais ça veut dire qu'avec 10 points, je vais en gagner plus que 5 après. Et... Attends, mais... Faut que je sois à 65 là! 65! Ah mais...
Si de 30 à 40, c'est 2 points par truc, ça veut dire qu'il me faut 2 levels pour atteindre les 40. Et après, si ça augmente à partir de là, allez, en considérant que c'est pendant 20 points, jusqu'à donc de 30 à 50, c'est 2 points. Faut 4 levels pour atteindre les 50. Et vous avez vu les caracs qu'il me faut pour cette arme? Après, vous allez me dire, il y a les objets pour cheater un peu les trucs, mais. Oh putain. Ah, autant. Ouais, non, si. Voilà, ça a un intérêt. Ça me permettrait de miner. Est-ce que le minage me sert à quelque chose? Non! Clairement, je n'ai pas encore trouvé à quoi me sert le minerai, donc pourquoi je claquerais l'un de mes points d'apprentissage là-dedans? Autant que je le garde par exemple pour devenir berserk. Voilà. Et là, j'aurais au moins les avantages liés à la faction. Je suis en train de me prendre la tête pour rien en plus. Je le sens que ça sert à rien ce que je fais là, de réfléchir comme ça. Voilà, ça peut être intéressant par contre. Ah oui, et puis j'ai pris ça, mais ça sert à rien en fait. Non mais. Non mais à ce moment-là, il faut que je récupère tous mes points d'XP, hein. Il n'y a pas moyen de reset ces niveaux. Je suis en train de regarder, mais il n'y a aucun moyen que je puisse prendre un truc de charisme, quoi. C'est cool. Alors, franchement, passer ma ruse à. Est-ce que ça a un intérêt? Un intérêt autre que me dire bah, que pour plus tard, ça sera déjà fait. Aucun intérêt. Voilà, parce que. Ah merde. En vrai, je sais pas du tout comment dépenser mes points, ça m'énerve. Allez, on va garder ça. On fera plus de dégâts à distance et plus de dégâts au corps à corps. Puis mon point fait le garder. Ah si, j'ai débloqué ça, modification d'armes. Oui, mais. Voyons, si je veux améliorer cette arme, il me faut 36 de force, 36 de dextérité pour l'évoluer. Voilà, là au moins je vois à quoi me sert le minage du coup. Alors oui, elle deviendra vachement plus intéressante, hein, à plus 17 de force. Dégâts 39. Non, ah oui, non, c'est la. Est-ce que je dois déjà faire mon choix? Ah, je me rapproche quand même d'armes plus puissantes, mine de rien. Mine de rien, je me rapproche d'armes plus intéressantes. Là, au prochain level, je passe à 30 de dextérité et 30 d'intelligence. Ça sera déjà pas mal. Et puis après, on mettra ce qu'il faut en ruse. Ah mais.
Ouais, ça j'avais déjà, donc c'est pas un problème. Du coup, je suis plus puissant, je sais me battre. On va essayer d'aller péter les dents à Rock, hein, tout simplement. Et vous vous rendez compte que je suis en mode, je sais vraiment pas comment avancer dans le jeu. C'est pas je bloque, je sais pas où sont la suite des quêtes. Non, je sais où sont la suite des quêtes. C'est pas un fucking problème ça de savoir où est la suite des quêtes. Le problème c'est d'y arriver. Bon, parce que là, même si je massacrais tous les rats et tout ça que je croise à 2 points d'XP par truc, ça va jamais me suffire. On y va à la menace ce coup-ci. Hein. Ah, j'ai oublié ça, mon ami. Maintenant, je vais à la menace. Allez! Ok, pas de problème. Ah, j'ai même pas besoin de... Et attends, ça m'envoie où là? Ah ouais! Ah oui, c'est pas comme si j'ai la moitié de la map à traverser sans aucun... Enfin, vous allez me dire, je suis déjà allé jusque là. Donc en vrai, ça serait pas loin d'aller jusqu'à là-haut, hein. Mais bon, il n'y a aucun TP et tout, donc ça serait bien galère quand même. Oh, de l'XP facile! Viens là, vile créature! Ah, une vile créature de moins pour ce monde. Tiens, un fort là-haut. Une autre, vite! On mange un morceau, on y va! Ah! Alors j'ai l'impression mine de rien que oui je les défonce un peu plus vite mais c'est pas encore ça.
Non, le chat, le bestiau là. Le mollusque. Je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour le château. La petite glissade, parce que le mec il a glissé sur un petit tas de mousse. Fuck. En plus, je vais devoir refaire les combats. Allez, tu es mort, la tête coincée dans la barrière, pauvre gueux. Ouais. Ouais, la poule. Grogne la poule. Ok. Ça me va. On sauvegarde. Ah. Mon frère qui me dit risque de neige lundi, vendredi. Ouais, tu m'étonnes. C'est absurde, mais bon. Faudrait que je rentre les quelques plantes que je viens de semer. Je vais les laisser à la sortie, je les rentrerai demain. Quoique, au pire. Ouais, il faudrait pas que ça meure tout de suite. On y va étape par étape, on va y arriver en haut de cette tour. La patience est le maître mot. Regardez déjà, on est arrivé jusqu'ici. Et Mazette, que c'est beau. Enfin, que c'est beau. Enfin, si vous pouvez pas venir ici, moi je m'en fous, hein. Grognez autant que vous voulez, hein, si vous pouvez pas m'atteindre, ça me dérange pas. Alors, je vais sûrement faire une connerie. Hein. Bonjour. Bonjour Grégor. Où c'est que je peux obtenir? Ah d'accord. Ok. Ah,
J'adore leurs armures aussi, au clair. Ouais, c'est clairement. Entre clair et berserk, mon cœur balance. Ok. Donc il y a des villageois par là. Je peux piller. Les mecs, ils savent pas qu'il faut rien laisser traîner avec moi. Ok. Oui, c'est ça, pourquoi? Oui, ça j'avais compris. I don't have the shard, so that's not gonna happen. Get something to drink first. Ok, oh, de l'XP. De l'XP facile. Viens là, XP facile. Deux en simultané, je peux le faire. Et de 1. Il a fait voler le cadavre de son pote. Et voilà, 10 points d'XP en plus. Et on sauvegarde. Il y a encore de l'XP à se faire.
On est un fou, hein, on est un fou, on se promène. Une fois que je suis venu dans une plaine comme ça, il y avait des mutants. C'est moi ou je lui ai rien fait en dommage? Ok? Moi qui voulais me promener, qui avait vu une maison, une petite ferme là sympathique, je me suis dit tiens, des copains, je vais pouvoir leur demander le gîte et le couvert. Bah non. Clairement, là, je mérite de mourir, hein. J'espère beaucoup trop. Bonjour, messieurs. Non, 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 non. Autant le premier, il était facile, j'ai eu par derrière. En plus, il est en train de se marrer avec ses potes, avec l'autre bestiole. Mais là, autant je vais me faire défoncer juste illico presto par cette saloperie. Oui, bah non, tiens. Mon idée est encore plus conne. Esquiver le rat en fonçant chez les elbes. Bah oui! Les chars, c'est rassurant. Même si je sais pertinemment que dans ce jeu-là, c'est pas plus rassurant que ça. Hein. C'est des épaves, donc ça sert à rien, mais bon. 2 points d'XP, yeah! Je suis trop powerful. À grimper.
Ah! Fuck, il était presque. Un quelconque putain d'intérêt. J'adore! J'ai appuyé sur le bouton, ça m'a pas fait activer le jetpack! Flûte! Je sais même plus où j'ai sauvegardé en sauvegarde auto. Ici, ok. Ah, mais j'ai arrêté les conneries, hein. On va arrêter les conneries, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je foute, moi? C'est... Ah! Oh putain, je fatigue, je vais pas tarder à arrêter, je pense. Toute façon, je me sens bloqué. Je me sens bloqué. Ah ouais, non mais... En fait, le problème, c'est que par exemple, là, je suis allé me promener, mais j'ai découvert quoi comme relais pour me TP? Que dalle! Et là, mine de rien, j'ai assez peu de relais, quoi. Enfin, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 en dehors de... Et 2 dans le campement, puis j'en ai un troisième par là, un troisième par là, c'est assez peu, hein. J'aurais dû regarder ce qu'il y avait là. Faudrait que j'aille voir, mais bon. Pareil, je pense pas qu'il y ait de TP. Ouais, c'est bien. Ouais, tu as des cellules pour les armes à plasma. C'est bien, mais ça me sert à rien, j'en ai pas. J'ai pas le matos pour ça. Ouais, je vais m'arrêter là parce que je commence à me mettre à bâiller, c'est pas bon signe. Je vais aller me foutre dans le lit à comater, ça sera bien mieux. Oh, du coup, on a level up. On a exploré un peu. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va avancer facilement dans le jeu? Non, clairement pas. Est-ce qu'il faut vraiment que je choisisse une faction? Oui, sûrement. Est-ce que j'aurais vraiment du meilleur matos si je choisis une faction? J'ai des doutes. Mais c'est sûr qu'il faut encore que je me fasse de l'XP. Et j'ai pas la moindre idée de me la faire. J'ai repéré des petits monstres qui sont faciles à affronter et à défoncer, qui valent 5, d'autres qui valent 10, qui sont pas trop compliqués non plus. Mais c'est pas suffisant. Bon, on va bien finir par trouver quelque chose, hein. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.